tout le monde a compris que c'était à tort qu'on avait voulu faire porter la responsabilité de tous les crimes du stade à un innocent, qui est aujourd'hui M. Aboubakar Diakité Ditoumba. Donc c'est cela la réalité dans ce dossier. Et je l'ai dit, quand M. Baouri comparaissait ici, je l'ai dit que tout le monde a compris que c'était à tort qu'on avait accusé M. Aboubakar Diakité Ditoumba. Et qu'après lui, d'autres témoins qui comparaîtront viendront dire la même chose. Et c'est ce qui est en train de se poursuivre. Moi, je ne suis pas étonné parce qu'on avait eu l'impression que M. Diakité était venu avec les tueurs, avec ceux qui ont massacré. Mais maintenant, avec les débats, la vérité est en train de jaillir et ça sera le cas. Le nom de colonel Tegoro revient sans cesse dans ce débat-là, des témoignages à charge contre lui, ça vous inspire quoi? Oui, ben, il faut qu'il dise la vérité. Vous savez, on peut mentir à un moment, mais on ne peut pas mentir tout le temps. Il faut qu'il dise la vérité. Ce sont les victimes qui sont en train de parler de lui. Ceux qui l'ont vu et qui ont vécu les atrocités qui se sont passées sous ses yeux, avec, pour ne pas dire sous ses yeux complices, puisqu'il n'a rien fait pour empêcher ces atrocités-là.